essayer de fouiller les maisons avec une tête de mort. Elles sont faisables si on gère bien, mais le problème, il te faut masse flèche, quoi. Et pas faire du 1v1 direct. Tu veux que j'y aille ou pas? Vas-y. J'arrive pas à monter. Ah, pas juste c'est un pro. Elles sont finies de cuire les patates? Ouais, pommes de terre au four, ça s'appelle. Yep. Parce qu'en vrai, faudrait qu'on trouve une marmite pour pouvoir justement purifier l'eau et se mettre bien aussi là-dessus. Bah écoute, je vais manger une patate et je vais t'en donner une. Même si c'est pas, à mon avis, suffisant. T'es prête? Vas-y. Bah attends, à chaque fois, je me trompe de touche. On va manger des patates. Voilà, mange une patate. Mange la patate, elle est où? Ah merde, on a soif. Bah ouais. Me dis pas qu'elle a disparu. Bah, je la vois pas, mais je suis avec, je crois, dans mon inventaire aussi. Je vois pas la patate. Bah tu l'as bien récupérée, rassure-moi. Bah, normalement, ouais, je l'ai bien récupérée, la patate. Bah, j'ai des fibres, du tissu. Parce que je voulais la manger, moi, sinon la patate. Bah, je crois qu'elle a disparu, la patate. Au moins que tu l'as ramassée. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ah, tu m'as fait peur. Non, je suis bel et bien aveugle. Elle m'a fait peur. Bon. Ah bah vas-y, on va essayer de trouver. La quête, moi, elle est derrière, et la tienne, c'était quoi la quête que t'avais, toi? C'est trouver des provisions. Là, elle est à 200 mètres, elle est pas très très loin. Il y a une voiture, là. Il y a peut-être de quoi boire et manger dedans. Parce qu'en vrai, si on arrive à trouver une marmite, on peut se faire de l'eau. On a ce qu'il faut pour se faire de l'eau. T'inquiète pas, sa fille, il y a peut-être des dingueries dedans. Dans la voiture. Il y a ça. Il y a houblon. J'ai plus trop de place, d'ailleurs. Ah, c'est vrai, c'est quoi, je me trompe de touche et c'est pas rigolo. Let's go. Je vais peut-être balancer des trucs, je commence à être chargé, je compte. Parce que où est-ce qu'on pourrait aller pour fouiller des maisons qui soient pas trop difficiles. Une maison, ouais, une tête de mort mini. Maxi, deux, tu veux dire. Ouais, bah Maxi mini, quoi. Dis-moi qu'il y a de la bouffe dans la boîte aux lettres. Dis-moi qu'il y a de la bouffe. Ouais, bien sûr. Le livreur a mis... Il est sympa le petit kiosque là, regarde, c'est ça. Y'a même pas de tête de mort là, ça a l'air d'être tranquille, non? Sérieux? Ah, une piscine, la classe, sa fille! Wouhou! Ah, mais par contre, c'est nul, on a pied. C'est une piscine pour enfants, je crois. Ah, bah écoute, moi je fouille. Bah, genre, y'a de la lumière et tout dedans, on dirait que c'est limite à habiter, non? Oh, mais y'a quelqu'un! Bonjour! Non, je l'avais pas vu, lui. Quoi, y'a vraiment quelqu'un? Ah. Waouh, calme-toi. J'ai entendu un bruit de zombie là. Bah ouais, il vient. T'es où, Sophie? Il vient m'embêter. Ah, t'es là. Il y en a un autre qui arrive derrière toi. C'est où derrière moi? Ah oui, là-bas. Bam! Bam! Il est bas. Ah, il y a un nid aussi derrière toi. Ouais, bah c'est pas là. Les gars, parce que je crois qu'il tonne, non Bim! Ah, ouais. Il m'en a collé une! Ah non! Il t'a lâché de l'agro direct. Bim! Je crois que j'entends autre chose, mais je vois pas celui que j'entends. Ou alors c'est lui qui fait vraiment un max de bordel. C'est pas, c'est vrai que c'est stressant d'entendre des bruits comme ça. Ah, je me demande s'il y en a pas un dans la maison aussi. Ouais, peut-être que j'en ai un gros dans la maison et que j'ai fermé la porte qui reste dedans. Ça fait que tu peux le faire, ça fait que tu peux le faire. Hop, c'est qu'on n'a pas de visu là. Allez hop. Il est mort ou il est pas mort? Non, il est pas mort. C'est pour ça que je lui remets un coup au sol. Ah, il est sur moi. Il est sur moi. Voilà. Vas-y. Bim. Oh, il est pas loin de tomber, je pense, maintenant. Ah, j'ai plus d'endurance. Yeah. Wow. Il est déjà là. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, il m'a surpris. J'ai été très très surpris. Aïe! J'ai plus tendu! J'ai plus tendu! Aïe, mais je suis mort. J'ai en voulant te sauver la vie. C'est la mienne que j'ai perdue. Ah non! Ah non! Dit, ils sont super résistants, eux. Oh yeah. Oh yeah, il est mort. Je me suis sacrifié pour toi, Safi. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. J'en ai mis plein des coups dans la tête. Alors, où c'est que je vais repop? Ah ouais, je vois, il y a un zombie à l'étage. Ok, je suis là, moi.
Vous avez faim? Bah attends, je vais te repop et j'ai déjà faim. C'est quoi cette blague? Le jeu? Cookie. Bon, on veut manger plein de cookies. Bah juste, je crois que je viens de te voir passer, t'es passé derrière la maison. Mais le problème, c'est qu'il y a des barricades et tout. J'ai ramassé ça, mais je crois que c'est ça. Ah non, mais en fait, ici, il n'y a pas de barricade. Mais il y a quelqu'un à l'étage de la maison, clairement. J'arrive, ça finit. Ah, ah bah toi, t'es full vie, c'est trop bien. Bah, si tu veux être full vie, il faut mourir. Non, il veut pas mourir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir balancer, moi? Je sais même pas. Ah, ça, c'est nul, ça. Ah, ça dégage. Pas moyen de trouver une marmite, quoi. Oh, chrysanté, maladie, c'était bien ça qu'on va garder. Oh, par contre, ça, on peut balancer. Oh, ils m'ont fait peur. Ça, on balance. Ils sont morts, hein. Et puis, on... Qui c'est qui est mort? Les zombies? Bah, techniquement, ouais. Ouais, ils sont morts. Non, mais eux, ils sont vraiment morts. Ça, c'est rien, il y a des gens, ils m'ont fait peur. Ben, non, mais... Je t'appelle le gars, là, qui était pendu, mais... c'est d'eux que je parle, justement, qui sont morts. Ok. Je crois qu'il va falloir rentrer dans la maison de la mort, là. Ça s'excite. Par contre, le problème, c'est que... Il n'y a pas de niveau de... Mais je crois que c'est parce qu'elle est facile, normalement. Je pense. Hein. Je vais faire un passage par là, moi, je vais passer... Ah ben non, c'est un peu long. Ça va être long. On va aller le défoncer. Ça va être plus rapide. Tu l'as vu ou pas? Il est à l'étage. J'en ai vu un à l'étage, en tout cas. Ok. Ah, c'est quoi, ça? Je vais juste récupérer ça, moi. Hop. Pas moyen de trouver une marmite. Ah, attention derrière toi. Mais ils sont... Oh non. Non, non, j'étais heureux. J'avais cru que je t'avais encore sauvé la vie, et puis non. Il venait d'où, lui? Oh non, il y a un gros et tout. Ah non, il y a une bonne aussi. Il y a du monde là. Ça y est, je suis morte. Il y a du people. Ah, faut que je récupère mon sac. Bah ouais, il y a un gros, il y a une femme et puis le zombie qui t'a tué. Il est où mon sac? C'est par où? C'est par là. Ouais, je le sens pas là. Bah au cas que je suis un peu nul là. Hein. J'avais survécu jusque là. Chocobo. Madame, allez-vous-en, madame. Je vous prierai de sortir de ma propriété. Alors, foutez-moi le camp. Hop, c'est pas par là. Ah non, je me suis encore planté de touche. Par là. Voilà, venez. La sortie, c'est par là, effectivement, madame. Venez, oh, suivez-moi. Oh, Yazette qui dit sa fille et Carlette qui dit non. Mais pourquoi Bonk? C'est pas gentil de me Bonk, je me suis déjà fait assez taper comme ça. Hein. Ils sont où les méchants? Ils sont où? Il est où, Pagis? Bah là, je fais sortir une dame un petit peu malhonnête. Ouais, je vois. Elle était dans propriété privée. Je vois. T'es où, toi? Je te vois pas. Je suis en train de. Je reviens dans la peau. Oh, il y a du monde dans la propriété. Ah, il faut tuer la dame à l'extérieur déjà, si tu veux. Ok. Yeah, je suis là. Attends, je la ramène vers moi. Vas-y. On va aller dessus un par un, mais le gros il va être chaud. Matraque ou pas matraque, hein. Fais gaffe derrière toi, il va falloir s'éloigner. Aïe 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 aïe. Attends, au pire je vais essayer de prendre l'agro. Viens mon copain. Tiens, mange ça, j'ai de la vie, j'ai de la manger maintenant, c'est bon. Bam. Un bon coup au passage là. Un autre coup au passage là. Un autre coup au passage. Elle a réussi à m'avoir. Je sais pas comment on fait pour les esquivants. Là. J'ai pas la aïe technique. Mais ouais, d'où elle me tape, elle? Allez, à son tour. Allez. Bam, un gros coup dans la tête. Bam. Bim. Un autre gros coup dans la tête. On le défonce au sol. On le défonce au sol. Bam. Un genre, autre il m'a tapé. Eh, tu la vois comme moi mortelle ou pas? Hein? Bah quoi, elle est morte, ouais? Quoi? Bah elle est morte bizarrement, non? Bah écoute, les mains dans le dos. Sur les genoux, non, regarde le ciel. Ah non, elle est couchée. Non, 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 on la voit pas morte de la même manière du coup. Bon, il y a le gros. Il est où d'ailleurs le gros? C'est bizarre qu'il nous ait pas poursuivi jusque là. Le gros? Le gros? Tu es où? Doko? Doko? Elle a déjà pas faire des flèches, moi? Eh ouais, je peux faire un couteau aussi. Ah, il est là-bas, le gros, ok. Le gros, il est là-bas. Ah, je vais peut-être faire des flèches aussi. Si j'ai le temps. Faire des flèches, j'ai te fait un. Ah, c'est lui, le gros! Non, c'est carreau d'arbalète, ça. C'est ça que je veux faire, moi. Il me manque... Bah, il manque quoi, en fait? Bonjour! What? T'as pas un sprint comme ça sur moi, toi? Non, je l'ai raté. Bah, j'ai dit, t'as pas un sprint sur moi! Oh, c'est possible!
Non mais j'ai réussi à lui mettre une flèche, je suis heureux. GG. Non mais calme, calme-toi. Bon, t'inquiète, t'inquiète, j'ai l'agro, voilà. Ah, il fait des bruits dégueulasses. Il va juste pas très bien, le monsieur, il va juste pas très bien. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il fait des bruits dégueulasses. Il a dû manger quelque chose qu'il ne digère pas, moi, je pense. Ah, ça, c'est clair. Bon, attends, il n'y a pas de lumière vers toi très longtemps. Voilà, un aller-retour, il s'est pris un aller-retour. Oh. Ah, mais je crois qu'il va pas bien, il a vraiment mal au ventre. Ah ouais, non, pas, non. Il va falloir consulter un médecin. C'est pas qu'un médecin qu'il va falloir consulter. Monsieur, il va falloir consulter un médecin. Bim. Gentil monsieur. Ou pas. Gentil monsieur. On se calme, hein. Comme on dit dans le métier. Ah, mais il veut pas mourir, lui. Calmez-vous. Il meurt un jour, lui, ou... Ah, bah voilà. Là, tu peux récupérer les flèches. J'en avais une. Ça, tu récupères les miennes ou pas? Ouais, ah, ça non, récupère tout. Ouais, je récupère. Non, non, t'as pas récupéré la mienne, apparemment. Ah. Je peux la récupérer. Du coup, il faut savoir que... Il y a encore des méchants là-dedans ou... Bah, je sais pas. Là, j'ai trouvé une porte. Il y a une porte qui est verrouillée, là. Ça te dit de la péter? Donc, on... Il y a peut-être un truc, là. Ce serait pas mal à l'extérieur, pas de la piscine. La piscine pour enfants. Ah, voilà, c'est là. Voilà. Ça là-dedans, là. C'est sûr, il y a un truc. C'est obligé. Ça va être compliqué à. En quoi, pas tant que ça, non? Non, en vrai. On a de la visite. On a de la visite. Comme ça. Ah ouais. Bonjour, madame. Voilà, madame, elle veut. Bonnet. Vous voudrez peut-être apprendre à se calmer. Calmez-vous, madame. Voilà. Elle a looté des trucs. Je te laisse ramasser, moi je vais péter le truc. Du loot. Je te conseille de... Ah, j'entends encore. C'est où? Je sais pas. Je vois pas. Je vois pas non plus. Non. Bon, on est pas pris de la casser en fait. Tape pas la porte, tape le mur à côté là, sur la droite. Ah. C'est que 1000 au lieu de 5000. Le mur est plus facile à casser que la porte. La porte est infranchissable, mais pas le mur. Ah, il arrive, le monsieur qui faisait du bruit. Bonjour. On va prendre soin de lui. Veuillez s'il vous plaît mourir. Brucce. Il l'a dit, pas juste, c'est brucce, brucce. Non, brucce. Brucce, je le connais pas. Brucce. Ah, excuse. Allez, ma prononciation, j'essaye vraiment de faire au mieux. Mais... Tout est dans l'accent, en fait, tout est dans la... Ah, je vois, je vois. Je vois. Ça va qu'on est deux parce que sinon tout seul, même 1000 c'est long. Hein. Ouais. Et en plus, faut faire le switch du bas aussi. Donc ça fait 2000. Oh merde. Ah oui, sinon on peut pas rentrer sur ce switch. Ouais, mais c'est toujours plus rapide que 5000. Allez hop. Plein. Je vais maintenir le doigt sur la touche et je vais voir mon petit thé glacé qui était censé. Voilà, désolé les amis. Oh, vas-y, prends ton temps. Bon, c'est bon, c'est bon. Et à mon avis, il n'y a rien du tout là-dedans. Mais faut voir le bon côté des choses. Avec tout ça, on n'est plus en train de mourir de soif et de mourir de faim. Pas faux. Et je suis même à 76 points de vie. Eh ben, dis donc. Incroyable. Ça rigole pas. Eh. On ne rigole plus, nous. On n'a jamais été là pour rigoler aussi. Hein. Nous, on est sérieux. On est sérieux? Ah oui. Depuis quand? Bah depuis toujours. Bruce, Brace, Mice, Bruce, voilà. Ah voilà le sérieux quoi. Le Druce, il est... On peut fouiller ça genre. Ouais mais il y a juste des cailloux dedans. Je crois qu'on a fait ça un... Ah il y a un sac quand même ça. Sac. Ah. Avec trois tissus. Ouais non c'était pas très rentable. Clairement. Bon, allez, si on peut clean la maison. Ben... Il faudra juste réfléchir où c'est qu'on s'installe à un moment donné. Oui, il va falloir qu'on voie ça avant de s'arrêter, clairement. Ouais, qu'on soit posé. Utilisé, voilà. Avant la fin du live. Une petite photo là, tout va bien. Peut-être fermer la porte. Hein. Pas très prudent de laisser tout ouvert comme ça. Il y a des bruits. Il y,
Là, ça mène nulle part. C'est pas top. Hein. Je vais à l'étage, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vas-y. Ouais, je vais pas tarder. Oh, bah, voilà, je ferme la porte. Je pense que t'as fouillé le bas. Ouais, y a pas grand chose à l'étage. Là, j'avais fouillé, là, je crois, déjà. Des médicaments. Ah. Un peu c'est un peu le. Voilà. Ah, j'ai plus de place. Bon, ça, t'as plus de place. Bon, en vrai, je crois qu'on est deux parce que moi non plus, hein, j'ai plus de place. Il va falloir se faire de. En vrai, il va falloir s'installer quelque part. Ouais, faut que tu prennes le reste qu'il y a dedans, là. Ouais, je vois pas. J'ai pu ramasser le reste, mais je commence à être lourd. Moi, j'ai vraiment plus de place. Ok, objectif se trouver ne serait-ce qu'une base provisoire. Hein. Après, on pourra peut-être éventuellement. C'est pas moi. Redéménager plus tard, mais. Il faudrait se trouver un petit coin où se poser quand même. En plus, il va faire nuit. En fait, il faut qu'on se développe en vrai, hein, rapidement. Oui. Quand même. Après, on peut se mettre dans une maison qui serait assez éloignée quand même, non? Après, on peut peut-être. Ouais, ils sont super loin, Zad, Carlet et Oups, ils sont quand même très loin. Attends, je vais checker ça. C'est loin. Ils étaient vers le nord, je crois. Ouais, ils sont vers le nord. Ah oui, ils sont giga vers le nord, même. Ouais. Je me dis, on aurait pu se poser giga, dans giga. Une maison pas trop loin d'eux, mais c'est loin. Mais là, est-ce qu'on serait pas au milieu de la map, là, techniquement, non? Oh, la map, elle est pas infinie. Non, elle est pas infinie, la map, je crois pas. Du coup, on est peut-être au middle, là, en vrai. Ça serait peut-être bien. Hein. Ça pourrait être une bonne idée de s'installer dans le coin. On a une ville à côté. On a le marchand qui est pas très loin non plus. On peut peut-être aller un petit peu plus dans le nord. Peut-être pas trop se mettre en centre-ville, mais peut-être essayer de trouver une maison pas trop loin, un peu isolée, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Là. Bah, let's go. Bah, direction. Je vais choisir la maison. Moi, si je m'écoute, je prends celle-là, moi. Eh bien. Celle-là, là ? Celle qu'on vient de vider ? Ouais, puis comme ça, je prends le monsieur avec moi. Regarde, il est bien. Ouais, ça non, une belle déco. C'est bon, c'est bon. Non. Bon, on va essayer de trouver une jolie petite maison. Elle aime pas ma maison. Et bon, l'idée de déco, alors que moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, ouais, Pagis. Par contre, être de nuit, se balader de nuit, c'est pas top. Ouais, je suis très, très chargé, moi. J'avance pas très vite. Bah, hein. Je suis chargé de plus 1, là, par exemple. Je suis chargé de plus 18. Bah, ça rigole pas. On est revenu au niveau de la zone avec le coffre. Vraiment, ça s'installait pas loin, en vrai. Même si c'est momentané. Ce que je veux dire. Et tu veux. Mais c'est où, pas loin? Bah là, la maison, là, elle est bien. Non? Ouais. On est à côté des quêtes, on se fait des sous, puis dès qu'on peut, on est autonome, on se casse. Ouais. Elle est bien celle-là, regarde. Ouais. C'est une niveau 4. Dit, hein. Ça va être compliqué de la vider. Hein. The Mortician's House. Bon, bah, au revoir, maison. Vas-y, je te laisse passer devant. T'as peut-être plus l'œil que moi, finalement. Et si vraiment tu veux juste un petit truc provisoire... Ouais. Hé, il y a un petit nid qu'elle a pas vu. Il n'y a pas de neuf, par contre. Ça, c'est triste. Là. Une, deux, c'est faisable ou pas? Ouais, je pense. On peut essayer de se poser ici. Attends, t'as deux secondes. Je vais voir pour me faire des flèches pour t'aider. De façon, bien sûr, totalement provisoire. Hein. De façon provisoire, mais qui peut rester dans le temps jusqu'à la fin. Non. Mais provisoire quand même. Non. Qu'est-ce que t'en penses? C'est provisoire aussi, hein. Ouais. Bon, je vais remettre ça là. Voilà. Je vais boire un petit peu mon thé. Oh mais non, mais là, me dites pas que je l'ai pas touché. Lance pas l'attaque, sa fille, je suis pas prêt. Mais les flèches, elles passent au travers de lui. Si, ah bah ça y est. Il a peut-être un corps intangible, on appelle ça. T'es là, au fait? Ouais, je suis juste derrière toi. Je vais se taper, là, pour moi. Bam, je lui ai mis un coup, là, au passage. Attends, bouge pas. Breche. Breche. Voilà. Ah, il y a une demoiselle derrière lui. Ouais, une demoiselle en détresse qui buzait. T'es sûr qu'elle est en détresse? Je suis pas sûr. Je crois que j'ai décapité. Non. Non? Ah, l'autre, tu veux dire? Non, ouais, là, c'est relevé en tout cas.
Bam. Voilà, ah bah. Je l'ai éclaté par contre. Je l'ai éclatax. Bah du coup la porte est fermée du coup, ça veut dire voilà. Bonjour. On a ouvert la porte de façon polie et gentille, sachez-le. Nous ne sommes pas les envahisseurs, nous sommes des gens qui sont pour rétablir la liberté. Ouais, écoute, elle peut être bien pour... Ça vient d'où ça? Wow. T'enfuis. Ouais, j'ai du monde aussi de mon côté en vrai. Sans vouloir te vexer, je sais pas combien t'en as, moi j'en ai un. Aïe. C'est trop long à viser avec ce truc-là. Salut. Salut. Putain, ils vont se mettre à courir en plus, il fait nuit. Hein? Aïe. Allez, bim. Aïe. Aïe. Je vais mourir. Hein? Donc, move le gros. T'as raison, des fois, c'est les flèches qui passent à travers. Je suis morte. Bah j'y suis même pas. Hein. Bah je suis sur le gros moi. Oh non, il y a une hurleuse. Sauvons-nous. Bah je suis morte, je peux pas me sauver. Je fuis. Je t'abandonne. Au revoir. Ah bah super. Manquait plus que ça. Elle hurle à la nuit. Faut se cacher dans la maison, Pachis. Quand tu te caches dans une maison, sa fille, où il y a 30 000 zombards. Bah parce on aurait dû rester là où on était, on aurait dû rester dans la haute maison. Bah oui, mais tu voulais déménager, mais finalement tu veux rester à côté, du coup moi je comprends pas ce que tu veux. Et je veux me mettre à l'abri. Ah à mais l'abri. Non. Mais bordel. Pagis, help. Attends, j'arrive, mais je suis assez loin. J'ai fait le tour de la maison en fait, j'ai continué le truc. T'es où là? En train de mourir. Maintenant que tu as fui, j'ai récupéré mon staff. T'es dans la maison? Bah non, je suis en train de fuir parce que je suis en train de mourir. Bah du coup, j'étais prêt moi à être retourné à la maison comme ça. Parce que t'es morte là de base, donc j'étais prêt. Là, je suis derrière, là je te vois. Et j'ai plus de vie. C'est toi là-bas là? Ouais, c'est moi là-bas. C'est un zombie ça. Non, c'est moi. Il y a un zombie derrière. Bah oui. Ah ouais, bravo sa fille. Bah voilà. C'est ton truc que t'as fui là, qui m'a dit c'est une hurleuse et je fuis. Bah oui, de je fuir, fuis, c'est tu normal. Bah comment tu veux tuer ça, sa fille, c'est impossible. Bah je lui ai mis quelques bonnes baffes. Hein. Regarde, il court les trucs, regarde les trucs, il court. Puis en plus il était sur mon sac, tu veux que je fasse comment? Invisible. Tu veux que je fasse comment? Il était sur mon sac. L'arc il est gigalant quoi, l'arc il est tellement lent que c'est impossible de le taper quoi. Non mais oublie l'arc là. Ouais mais je fais comment moi pour récupérer mon sac? Faut que j'occupe mes affaires. Voilà copain. C'est bon, j'ai tué le copain. De façon héroïque d'ailleurs, je tiens à le dire. Ouais. T'as pas. C'est bon pas... sa fille. J'ai repris du poids de la bête. Ouais bah moi par je retourne dans la maison. Lui va être chaud par contre. La maison elle est plus safe. Je peux ôter mais moi je retourne dans la maison. Je pense que c'est beaucoup plus safe. J'arrive pas à l'avoir de là. Bah genre, ça vise pas bien l'arc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je dis, reviens! Bah alors, ça touche ou quoi, les flèches, là? C'est un délire! Les flèches, c'est bugué, hein! Bah c'est ce que je dis, que ça arrête pas de passer au travers! On a l'impression que les flèches, c'est bugué. Hein. J'ai rien dit, la maison, c'est pas safe! Bah oui, c'est pas safe, là... Zéro safe la maison. Et moi je suis là. Ouais, mais allez, tu ramènes des copains avec toi. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Faut que je fasse une pause. Pause de stam. T'as vu jouer ça où ça? Une pause de stam. Pause de stam. Aïe. Pas le choix. Il est mort ou pas le monsieur? Il est mort. Il est mort, ok. C'est bon, on a repris effectivement du poil de la bête. Ce qui veut dire que nous sommes héroïques. Nous sommes héroïques? Ok. Ouais. C'est quoi? Je vais péter le canapé là, il m'empêche de faire un demi-tour. En cas de fuite, je peux te dire que ça me gêne. On a réussi je crois sa fille. Ouais, ça va, on est safe. On a réussi, ça fait. En vrai, j'aurais bien fait une porte. Je retrouve rien au niveau de construction. J'entends des bruits encore, ça fuit. Hein. Bah pourquoi tu t'es aventuré dans la maison? On était bien là à l'entrée.
Mais c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, ouais, que ça crie. Quelqu'un qui tape là. Ouais, t'as rien. On laisse taper. Ah, j'ai pas assez de bois pour faire une porte en bois. Je vais barricader là, si tu veux. Là, y'a rien. Par contre, dans les toilettes, y'a plus de. Si, y'a quelqu'un. Bon, ça, y a ta barricade, elle est pas très efficace. Hein. C'est quoi cette barricade à... Y'a un trou dans le plafond. Ah, bah oui. Ah, oh, bah ça, j'avais pas vu, tu vois. Ça, c'est la surprise du jour. La barricade qui est pas barricadée, quoi. J'étais sûr que la barricade était barricadée, ça fiche là-dessus. Est-ce que t'as du bois? Attends, je peux peut-être récupérer là-dessus. Un peu pour me faire des flèches, mais... Attends, je peux récupérer là-dessus, là. Comme ça, on nettoie les débris. Attends, mes flèches qui ont servi à pas grand-chose. Tu veux que je donne le sac de couchage ou pas? Tiens, cadeau. Mais j'ai pas de place, je peux pas le porter. Tu peux pas le porter? Bon, j'ai rien dire. Ah, t'es vraiment blindé de chez blindé, quoi. Oui. Je comprends bien, là, t'es... voilà. Parce que je te le dis, ça fait deux. Quoi, cadeau? Tu fermes la porte derrière toi. Let's go. Attends, elle est intacte, elle a pas été fouillée. Arrête, arrête, arrête. Comment ça, elle est intacte? Il peut y avoir des trucs là-dedans? Bah oui. Ok. Bon, quoi. Pour être franc, j'ai fui, moi, j'ai fui pour ma vie. Mmh. Quand elle est sortie dedans, du coup, c'est pour ça, j'ai pas eu le temps de... Voilà, Pagis, il a fui. En vrai, si t'as du bois, je veux bien, par contre. Donne du bois. Ouais, t'as deux secondes. Merde, oh, c'est embêtant, ça. Faut faire tape pour ouvrir l'inventaire au lieu de hi, bon. Parce que du coup, je vais faire une porte. Vas-y, vas-y. Une porte pour l'entrée qu'elle a, on est d'accord. Bah ouais, parce que je peux pas ça, la je vais l'enlever, voilà. Ça, on va l'enlever aussi. Pas se cumuler, on ça. On va ouais. Nettoyer la maison. Nettoyons bah ouais, on va faire une porte à nous, quoi. Tac. Voilà. Comme ça. Sa fille, sa fille. Bip. 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 C'est bon, sa fille. Tout va bien. Tout va bien. Sa fille. Au secours. Tout va bien. Bah, okay. Ça m'a surpris, j'étais tranquille, puis d'un coup, il y a un mec là. Du coup, moi, je vais me recrafter un sac de couchage que je vais placer ici. Vas-y, vas-y. J'arrive pas à placer. Là, je t'ai pas fouillé là, par contre. Voilà. Ouais. Je commence à être comme toi, surchargé. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant faire des coffres. Comment qu'on fait des coffres? Bah, il y a un truc là, non? Feu de camp, je vais en refaire un. Ah, on peut descendre. J'ai cru entendre un bruit bizarre. C'est possible? Ok, le feu de camp, je peux y mettre une grille du coup sur celui-là. Parce que l'autre, c'était pas l'autre. Bah oui, pour le moment, écoute. Okay. Bah attends, si on s'installe là, on va faire un peu de place parce qu'il n'y a pas de place. La place, c'est primordial en cas de combat. Sont les coffres. Bah voilà. Pourquoi il n'y a pas les coffres? Ah, parce qu'elles ont changé de tête en fait. Elles ont changé peut-être les. T'as plus de bois ou pas? Je veux du bois. Bon, attends, je te dis ça dans deux secondes. Oh non, mais la lampe qui vole. Non, non, non. Non, mais c'est bien, c'est voulu. Non, laisse ça, laisse ça. Non, ça fait de la lumière. On va être dans le noir, sa fille, déconne pas. Il fait déjà trop noir. Bah, il a peur du noir. Ah, c'est pour voir. C'est quand même bien de voir. Ah merde, c'est vrai ça. Est-ce qu'on y arrive en sautant? Il va falloir que j'en fasse une, je pense. Voilà, Pagis, on va être sauvé. Yep. Je fais confiance. Hein. C'est bien la lampe comme ça en vrai. Hein. Et voilà, on a une caisse de stockage à nous. Cool. Cool, cool, cool. Comment je fais pour poser? Je sais pas. C'est quoi la touche pour poser? Équiper. Je veux pas équiper, je veux ranger. Allez, on finit le thé, les amis. C'est parti. Je veux ranger tout ce bordel. Deux heures plus tard, j'ai fini le thé. Bah, je t'attends, de toute façon, ça fait.
Ça, je vais peut-être garder. Ça, on va poser. Ça, on pose. Ça, on pose. Ça, on peut récupérer. On peut valider. C'est bien, on a validé plein de trucs comme ça. Tiens, tu peux Oh, on mettre un peu essaiera de valider. des. Tu peux mettre un petit peu des trucs si tu veux. Ah. Du coup, c'est quoi la touche pour tout transférer? J'en ai aucune idée. C'est pour ça la touche là? Premier clic, non, non, pour remplir la pile. Ça, c'est pour trier, je crois. Prendre Pour le contenu prendre. d'un espace de stockage, déplacer une Comment pile. on fait pour transférer? Normalement, il y a des Alors, touches, non? apparemment, c'est clic plus mage. Ah ouais, si tu fais ça... Ok, d'accord. C'est pas Ok. très gentil tout ça. Hein. Bah, je vais mettre pas mal de trucs, moi, là-dedans. Pour profiter. C'est vraiment pas gentil quand même. Bah, si, mais si, c'est gentil. Non, des Par contre, orages dans les oreilles, c'est pas gentil. Ça fait Bonsoir, peur. Sophie. C'est Hein? normal que je t'entends taper tout? Oui, écoute, je récupère du bois. Hein. T'es Je crois comme que moi, t'es pas très rassuré. ça s'énerve hein, derrière. Ouais. Oh! Je crois Oh, même mais il que est là! Où ça là? Bah là? C'est une maman en plus. Tu m'étonnes qu'elle a pété le mur en 2 secondes. Maman, reste là, Mais maman! Pas mais! mais Pourquoi c'est tu tapes naze, et ça tout? suffit. Bah Non! juste. Cours, sa fille! Alors il me dit cours sa fille et il part se planquer dans la chambre. Oui, mais t'étais occupé à faire des orages, alors moi j'ai pu te déranger. Oh non. Oh non. Laisse pas tranquille. Oh c'est pas bon. C'est quoi qui est pas bon? Il y a du monde dehors. Bien sûr qu'il y a du monde dehors. C'est pas drôle. Oh c'est pas bon. Aïe! Aïe! J'ai plus d'enduit, j'ai plus d'enduit, j'ai plus d'enduit. Laisse pas tranquille! Maman elle est morte. Mademoiselle! Elle va m'avoir, saleté. Parce que j'ai plus d'enduit. Non mais elle est rapide, elle est rapide. Oh non! Elle va me tuer! Elle m'a tué. Sauvez Pagis, hein! Je l'ai eu, sa fille! À une flèche! On notera que Pagis, il voit la maman qui rentre, Sa il dit fille! sauve-toi, il rentre dans la pièce et il ferme la porte! Il y a Xena qui fait des cris. apparaître sur mon lit. Oh non! Quoi encore? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a encore une Big Mama qui nous vient dessus. Ouais, J'aime pas ben. la nuit! Tu l'as cette fois! Arrête de me. De. Oh non! Mais Pagis la fait pas rentrer! Oh non, mais sérieux. Bah pourquoi elle rentre par là, Pagis. elle? J'ai fait tout le tour de la maison, puis elle me suit. Bah oui, elle te suit! Ah bah ouais, je suis passé par l'autre côté. Ben, passe par là où c'est ouvert, hein! Bah, je suis passé par la porte, quoi. C'est bon, j'ai la grosse, ça fait. Vas-y, je vais me la faire. Attends, j'arrive. Bam, voilà. Bim. Elle est où? Ah, bouge pas, elle est électrocutée. Allez, bim. Ah, ben, j'ai plus d'endu. Je te laisse faire. Oh, bah, juste, tu me. Pagis, non, mais je te Non, laisse te démerder. je peux pas taper sa fille, j'ai plus d'envie. Bon, par contre. J'ai faim. J'ai faim. Oh non, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Dans le genre partout. Ah ouais, mais c'est quoi ce lieu? La pire zone. Sa fille, il pète la porte d'entrée. J'ai fermé, hein, on peut pas ressortir. Faut que tu les tues. Bah, tu crois que je le tue? Merde, c'est un On va mec au taper. sol. Bah ouais, c'est pour ça. D'où le comment tu le fasses? Moi je veux Faut bien. que le jour se lève là parce qu'on est mal, hein. Ouais, lève-toi le jour s'il te plaît. Il n'y a pas de lieu où on peut fuir là-bas. Hein. Je le savais qu'il fallait qu'on fasse une. Qu'on parte sur une maison loin. On n'a pas le temps, sa fille. On n'a clairement pas le temps. Défonce-toi, sa fille! Tu peux le faire! Il est en... C'est un furieux, c'est un enragé là, je sais pas quoi. Non, non, il est pas furieux, il a l'air de bonne humeur, je trouve. Il me tape, hein. Pagis, vas-y. Bam. Bam. Bip. Plus d'endu. Plus d'endu, on est dans la merde. C'est la concours, c'est la concours. C'est la concours, hop.
On sort. On sort, sa fille. T'es où, sa fille? Aïe. Je suis morte. Tu veux que je sois où? Mais t'as rien dit, sa fille, t'as pas dit. Il est où? Ah, je te mange juste tranquille, lui. Voilà. Voilà. Mange sa fille, et c'est pas tranquille. Oh, merci, Pachis. C'est pas comme si j'avais quelque chose à manger. J'ai rien à manger, sa fille, je peux pas. Oh là là. Je suis un petit peu dans la merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai fait réapparaître près de mon lit. Mais j'aurais peut-être pas dû. T'es où? Bah, je suis un petit peu loin, mais en même temps, c'est invivable dans la maison. Elle est là. Elle me pourchasse. Laisse-moi tranquille. Oh, j'avais raison qu'il fallait qu'on se prenne une maison loin, isolée. Non, Pagis, il voulait... Voilà, il est mort. Pagis, non, il voulait une maison là, maintenant, tout de suite. T'as vidé la maison ou... Bah, ils sont tous dans la maison. Ils m'ont peut-être suivi, là. Je vois qu'il y a un ramban qui est en train de me bouffer. Et il m'a pas demandé... Ah, si, ça y est. J'allais dire, il m'a pas demandé où c'est que je voulais revenir. Alors, je suis où, là? On est où, là? Ah ouais, mais là, du coup, on est vachement dézoomé. Voilà, faut que j'aille. J'ai tellement envie de fermer et de t'enfermer dehors. Mais sa fille, j'ai fait ce que j'ai pu. La règle du jeu, ne pas mourir. Ouais, t'as tout donné, mon œil. Ouais. Tout donné pour la survie. Pour ta survie. Du groupe. Du groupe. C'est ça, ouais. Faudra qu'on en parle du groupe. Le collectif. Bah, genre, elle est morte, la meuf. Bah, elle est morte en plus. La blague, je suis mort juste. Elle est morte. Elle m'a tué. Et je l'ai tué, non, c'est ça? Ah, vous êtes entretués, quoi. Oh, c'est pas juste, quoi. Ça s'est joué à une claque près, quoi. Et j'étais vivant. Eh ouais, bah t'es mort. Comme c'est dommage. Du coup, t'es sûr que tu veux rester ici? Bah. Je sais pas, maintenant on peut se barrer, hein. Maintenant qu'on est mort 20 fois, c'est bon, on peut se barrer. Parce que le but c'était de passer la nuit, moi je crois qu'on l'a très mal passé la nuit. Ah bah on a mieux passé la nuit de sang que celle-là, hein. Ouais, il faut se trouver une... Objectif number one, maison. Oh, je lui ai arraché le bras, la peau. Bim. Allez, on la défonce. T'as vu, il lui manque une main, c'est parce que je lui ai arraché la main. Bon, bah j'ai vu ça, ouais. Par contre, faut récupérer le coffre et tout. Ouais, vas-y, on va se casser de là, parce que là... On va se re-retrouver blindé en poids, quoi. Ici, t'as vu, y a pas la place pour se battre, c'est trop petit. C'est vrai que j'avais fini mon super thé. J'ai plus rien à boire, maintenant. Alors, j'ai tout pris, mais j'aurais pas dû, moi, je suis beaucoup trop chargé, là. N'est bon, point c'est possible. C'est quoi, c'était mage, non? Voilà, c'est mage. Sinon, pire, il y a R. Hein. Vas-y, mais remets un peu de trucs. Attends, je vais essayer de crafter tant que je peux, peut-être des flèches. Voilà. Vas-y. Tiens, ça. Ça aussi. Perception. On regarde voilà. Un petit peu les trucs qu'on a. Je récupère mon sac de couchage. Ça, il faut qu'on récupère. C'est obligatoire. C'est bon, j'ai tout récupéré. Le coffre, on le laisse, on va pas le récupérer de toute façon. En vrai, je préfère casser histoire de pas laisser des merdes partout. Ah, tu veux casser ça aussi? Modifier. Alors, dans ce cas, il faudrait que je puisse le réparer. Il me faut un petit arbre alors. Hein? Un arbre fort sympathique. Tu veux récupérer quoi? Bah, le coffre, si tu veux partir sans laisser de traces. Ah, mais je suis en train de le péter le coffre. Tac. Oh, mais non, mais il est super résistant le coffre! Pourquoi pour réparer? Faut des cailloux? Ah, j'ai plus de cailloux peut-être, non? Ah, effectivement, j'ai zéro cailloux. Ah, bah, c'est moi qui ai tous les cailloux. À moi les cailloux! Bon, je vais péter l'arbre. Ou que dalle, je vais rien péter parce que j'ai plus de. Mais c'est quoi le coffre que tu veux ramasser, toi? Celui que t'as posé? Bah, je viens de le péter, c'est bon, c'est fini, on s'en va. Attends, moi je veux réparer mon machin. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Il y a pareil. Du coup, on va reprendre mon idée initiale. On va partir vers le nord, qui est par là. Et c'est on va essayer de se trouver une maison isolée. Let's go. Bah, en vrai, de toute façon, on serait mort. Hein. On serait...
en dehors de la maison, on aurait couru dans la pampa, je sais pas ce qu'on aurait pu faire aussi. Voilà, c'était un massacre cette nuit. C'était totalement un massacre. Let's go! Ah, ils ont les yeux qui deviennent orange la nuit, ce sont tous des férales, je crois, la nuit, tout dans le genre. Ouais, bah moi je l'ai tué, hein, mais elle m'a tué aussi, quoi. C'est un ex-écho. Alors, repère si tu vois pas une petite maison isolée. On va pas dire qu'elle est nulle, ma maison, non? Bah, ça dépend de la maison que tu trouves. T'en as vu une? Non, j'ai rien vu, là. Bah alors. Un nid! Bah écoute, prends les nids. Parce qu'en vrai, moi je cherche pas une maison provisoire, moi j'aimerais bien trouver une maison définitive. Ça serait vachement mieux. Sur la gauche, il y a un chemin. De quoi? Sur la gauche. Tu vois un petit chemin là-bas qui monte. Peut-être qu'il y a une maison. Et ça permettrait de dominer un peu la zone. Enfin, si tu veux. Ça peut être un bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Un endroit de type stratégique. Ouais. Bah, écoute, on va suivre le chemin, on va voir. À cause, il va falloir clean la zone, j'imagine. Ça va être blindé de zombies, c'est une maison. Mais il y a moyen, j'ai confiance en toi et ta matraque. Non, faut pas prendre ce chemin. Pourquoi? On revient en arrière, c'est le chemin qui mène jusqu'au vendeur. Attends, par contre, on va peut-être lui suivre la route. La route derrière, vas-y, let's go. Ah non, le vendeur, il est là. Mais... Ah, ou alors, effectivement, il y a une petite maison avec. Mais on y est déjà allé, je pense que c'est la maison... Ouais. La maison? Non, ça m'intéresse pas, cette maison. Non. Ok. En fait, quand on est arrivé, on avait une petite maison où on s'est caché. Et ouais, en face, il y avait une autre petite maison. Ouais. On avait des petits piquants en bois, c'était bien. S'il y a quelqu'un qui passe dans cette maison, il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bon, après, normalement, les maisons sont réinitialisées tous les 7 jours in-game. Et du coup, elles devraient redevenir toutes neuves. Ouais. Sauf si on habite dedans, non? Bah oui. Je pense, hein. Ah non, comment si... Mais comment on fait pour dire que la maison est à nous et que le jeu la considère pas comme un truc? Le lit. Le lit fait en sorte qu'il n'y ait pas de zombies qui spawnent autour. Et ça fait que bah, ça va être chill. Ok. Ah, je manque trop d'endurance. T'inquiète, ça va un truc qui va s'améliorer avec le temps. Bientôt nous serons invincible. Ouais, j'y crois vachement. Ah, c'est à son service là. Bah regarde la maison qui est au fond derrière là, elle a l'air pas mal. Ouais, bah à mon avis, elle va être chaude à récupérer. Mais après si tu la sens, on la prend. On tue petit à petit, puis let's go. Rien n'est impossible. J'ai tué une férale, donc tout est possible. GG. Bonjour monsieur. Mais laisse-le le rampant. Par contre, on peut peut-être faire les voitures là ici. Ah bah genre j'ai tapé le goudron quoi. GG. Bam. En même temps, il va nous poursuivre jusqu'à Hollywood, du coup autant le tuer tout de suite. Bim. Bim. Ah je suis résistant ma parole. Ah ça. J'ai plus de flèches. Ah bah j'ai plus de flèches, je peux plus rien faire. Moi je laisse me suivre. Hein. Attends. Voilà. Bon, de le tuer, non? Attends, maintenant je veux récupérer mes flèches. Oh, pochis. Tu t'amuses bien? Bah, il meurt jamais. Il est mortel. Combien de flèches qu'il faut dans ta tête? Ah voilà. Plouk, 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 plouk. Et moi j'ai récupéré mes flèches, je comprends. Bah, Agis c'est son copain. Itali, tali, tati, tati, je suis heureux, j'ai récupéré mes flèches. Ah c'est pas toi ça. C'est où sa fille au fait? Bah j'ai continué à avancer sur la route. Au niveau de celle-là c'est une 3, il y a une piscine, je sais que t'aimes bien les piscines. Ah ouais les piscines j'aime bien. Il y a des pics dans la piscine, il y a des morts dans la piscine. Ah. Il va falloir nettoyer tout ça quoi. Ah, oh, il y a des pics. Ah, mais il y a un zombie qui s'est réveillé d'ailleurs.
Ah mais il veut directement te faire coucou, j'ai l'impression. Ouais, on va peut-être se barrer, non? Ah mais il y en a deux en plus. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, messieurs-dames, mais... Ah, il y a la madame de tout à l'heure qui m'a suivi en plus. Bah attends, je vais faire demi-tour s'il y a moyen. Je peux pas faire demi-tour, je crois. Ils m'ont un petit peu bloqué, ces cons. Enfin, je fais demi-tour. Tu vas avec la dame, peut-être, non? Ouais, bah je t'attends. Là. Voilà, la dame. Et bim, la dame. Et bim. Bon, les deux autres, ils vont arriver. En vrai, je suis peut-être pas hyper convaincu par cette maison, je sais pas. Tu crois? Elle est peut-être trop grande, non? Ah, moi, je veux une grande maison. Moi, je veux une grande maison. Bah, moi, tu me dis, hein. Si tu me donnes le feu vert, let's go. Il se fait de tuer tout petit à petit, et ça devrait. Après, être pas loin, être pas loin d'une ville, ça peut être pas mal aussi. Hein. Une ville comme ça, tu veux dire? Bah ouais, comme ça, on peut venir faire les maisons régulièrement, vu qu'elle repop. Ah, c'est pas faux, vu cet angle. Bah du coup, ta musique, elle serait... ta maison, elle serait parfaite pour le coup. Bah j'avoue qu'elle a quand même des bonnes barricades, enfin des bons murs. Ouais, c'est la plus belle du coin, en vrai. Il y a une tour relais là-bas. On dirait-on. Ouais, on est proche d'une ville. On est encore très loin de Carlette et Zad. Et oups. C'est pas grave. Je pense qu'on les retrouvera quand on aura de quoi faire des vélos ou des conneries comme ça, peut-être. Tu veux qu'on prenne celle-là, du coup? Qui flotte haut dans les airs. Ouais, vas-y, let's go. On s'installe dans celle-là? Ouais. Bah, vas-y, let's go. On y va. On a toute la journée pour dominer le lieu. Ouais, après, on a le marchand qui est pas hyper loin non plus. Ouais, c'est ça, hein. Un petit peu loin, mais pas non plus. Quand on aura les vélos, tout ça, ça ira. Exact. Là, ça fait un peu loin, mais après, ça ira. Vivement les vélos.